Je ne peux pas résister au plaisir de jouer cette petite pièce qui est considérée, que Messiaen considérait lui-même comme son tout premier opus. Je vais me faire gronder par Yvonne Loriot parce qu'elle ne voulait pas. Elle me disait, mais non, c'est une pièce qu'il ne faut pas jouer, c'est une pièce que si, une pièce que là, qui n'est pas totalement écrite, c'est une petite pièce de théâtre. Mais je trouve que c'est tellement naïf, tellement ravissant, et tellement déjà, comment dire, on y sent déjà on y entend l'économie de moyens et la puissance des vocations que Messiaen utilisera tout au long de son œuvre. Alors écoutez, c'est le titre de cette pièce est La Dame de Chalotte. Je me permets de lire comment dire, le petit texte d'introduction de Messiaen concernant cette pièce. C'est le titre d'un poème de Tennyson. On pardonnera à cette ébauche ses inexpériences quand on saura que je suis né en décembre 1908 et que je l'ai écrite au début de l'année 1917. Je n'avais que 8 ans et quelques mois. C'était à Grenoble. J'ignorais tout de la technique musicale, mais je jouais très mal, entre parenthèses, du piano et déchiffrais déjà au clavier, en chantant, tous les rôles de la damnation de Faust de Berlioz. 8 ans et demi, tout de même, c'est pas mal, hein. De plus, j'avais lu tout Shakespeare, pour lequel je construisais et coloriais des petits décors de théâtre, pièces dont il jouait tous les rôles les uns après les autres devant son frère, unique spectateur, Alain Messiaen. Et je connaissais bien sûr les poèmes que ma mère Cécile Sauvage m'avait dédiés avant ma naissance. Alors, dans cette Dame de Chalotte, l'imagination de l'enfant s'est donné libre cours. Tout y passe, le château, les inflexions du parler, la chanson de la Dame de Chalotte, encadré par une petite fileuse. Le seigneur Lancelot sur son cheval, le miroir qui se brise, la tapisserie qui s'envole, les feuilles de saule qui tombent et enfin la mort de la dame couchée dans une barque qui glisse au fil de l'eau, écrite à la manière d'une barcarolle. Malgré son extraordinaire naïveté, c'est bien là mon opus 1. Alors je vais vous la jouer un tout petit peu par bribes, en, comment dire, en lisant aussi au fur et à mesure les petits arguments qui soulignent les petits passages musicaux. C'est une copie qu'Yvonne Loriot m'a fait parvenir. Première partie, le château magique, noble, avec aussi les effets trémolos. Les paysans parlent entre eux. Deuxième partie de la pièce, la fileuse. La dame de Chalotte chante tout en tissant. Troisième partie, le chevalier Lancelot en armure sur son cheval passe sur la route. Pour les curieux, on entend déjà le mode 2.
Elle voit le chevalier, c'est écrit lent, avec bonheur et tranquille. Le miroir magique se brise. À un coup de vent, la tapisserie s'envole. Elle relève les branches des saules et voit la barque. Et enfin, dans le mouvement d'une barcarolle, elle meurt, la chevelure étalée dans la barque qui s'en va lentement au fil de l'eau.